En Asie du Sud-Est, dans l'ancien empire hankorien, qui recouvrait les frontières de l'actuel Cambodge, mais aussi une partie de la Thaïlande, du Laos et du Vietnam, la harpe a joué un rôle central dans la musique religieuse et profane. Les bas-reliefs de plusieurs temples khmers ainsi que l'épigraphie en témoignent. Mais ce mystérieux instrument a disparu et aucun exemplaire ne nous est parvenu. L'ethnomusicologue Patrick Kersalé, qui explore les régions reculées de l'Asie du Sud-Est et de l'Inde depuis plus de 20 ans, est parti à la recherche de cet instrument mythique. Il a exploré chaque recoin des temples khmers encore prisonniers de la forêt, chaque bas-relief, chaque écrit lapidaire, pour tenter de retrouver un détail qui pourrait compléter l'immense documentation déjà mise à jour. Patrick Kersalé nourrit deux rêves. Le premier, reconstruire la totalité des instruments connus du Cambodge ancien, notamment les harpes. Le second, reconstituer les orchestres du glorieux passé de l'Empire Khmer. Nous l'avons suivi pour tenter de percer avec lui les mystères de cette fameuse harpe khmer. Les instruments musicaux représentés sur les temples khmers sont d'essence indienne. En effet, l'hindouisation de l'actuel Cambodge a débuté dès le 1er siècle de notre ère. En Inde, la harpe existe dans la civilisation de l'Indus il y a environ 5000 ans, période de commerce avec la Mésopotamie. Il y a 3500 ans, le Veda mentionne le mot Vina, terme générique qui désigne des instruments à cordes à usage rituel. Toutefois, le texte ne précise pas s'il s'agit de harpe, de sitar ou de luth. Plus récemment, voici 2500 ans, la littérature classique indienne le mentionne comme un instrument de divertissement de la cour. Ce rôle est confirmé à travers des représentations des 2e au 6e siècle de notre ère où rois, nobles, divinités mineures et courtisanes sont montrés jouant de la harpe en solo pour accompagner le chant ou animer la danse. La harpe subsiste sporadiquement dans l'iconographie de la fin du premier millénaire, pour disparaître peu à peu en Asie du Sud, à l'exception du Waji du Nouristan et du très rare Banbaja des Pardan du Madhya Pradesh. Aujourd'hui, la harpe demeure vivante au Myanmar. Dans ce pays, sa plus ancienne représentation remonte au XIIIe siècle sur l'un des temples du site de Pagan. Des peintures des XVIIe-XVIIIe siècles dans les grottes de Powintong témoigne à la fois de son existence et de sa magnificence. Si la harpe birmane Sangok est aujourd'hui standardisée dans sa forme, celle des Karen du Myanmar et de Thaïlande présente presque autant de formes qu'il existe de harpistes. Ba thai le ba
thay lơ đơ nhỏ cho mày thay lơ kế ba thay đài thay lơ kế ba thay đài quá chú thơ yêu nè xa bồ chơi đi chú mô ế đông Au Cambodge, les premières représentations de harpe figurent sur deux linteaux du 7e siècle. Ils proviennent peut-être de Sambor Prekuk, un site archéologique situé non loin de la ville de Kompong Thom. Sur place, aucune représentation de harpe n'est visible. C'est au musée national de Phnom Penh que l'on peut les admirer. Une autre représentation khmer se trouve au musée de Paxé, au Laos. Ces trois sculptures ont en commun leur forme générale et une extrémité de manche arrondie. Malheureusement, elles sont trop érodées pour en percevoir le moindre détail. Si l'iconographie est rare à cette époque, les inscriptions lapidaires nous offrent quelques compléments d'information. On y apprend, par exemple, que les harpistes sont des femmes, ou encore l'existence d'une harpe en ivoire, d'autres en alliage de cuivre et d'argent. Entre le 8e siècle et le milieu du 12e, nous n'avons pour l'instant aucune représentation de harpe. Seuls des textes du 9e siècle la mentionnent. Ce n'est qu'à partir de la seconde moitié du 12e siècle que l'on commence à trouver une riche iconographie. Les rares temples offrant une iconographie de la harpe sont le Bayon, Bantay Chmar et Bantay Samre. À l'image des harpes Karen, les instruments présentent des différences stylistiques, à moins que ce ne soit le fait des représentations elles-mêmes. Si l'on compare les images de harpe à d'autres types d'objets issus de l'archéologie, il apparaît clairement qu'il n'y a pas de standardisation à ces époques. Au XIIe-XIIIe siècle, on distingue deux types de harpes. Celle dont l'extrémité du manche se termine simplement et celle comportant une tête de Garuda. Ce rapprochement des bas-reliefs et des textes permet d'avancer que la harpe accompagnée de sitar et de percussions constituait le socle des orchestres, des rituels hindous. Pour la musique de cour et de divertissement, seuls les bas-reliefs nous apportent quelques indications. Fort de tous ces éléments de recherche, il me restait à franchir le pas pour tenter une première reconstitution. Il m'a fallu étudier en détail chaque représentation tout en regardant s'il était possible d'effectuer des rapprochements avec les harpes birmanes et Karen. Ce qui frappe d'emblée, ce sont les caisses de résonance en forme de coque de bateau. Notons qu'au Myanmar, la divinité Nat, protectrice des pêcheurs, a pour attribut la harpe. Si l'on se réfère aux instruments birmans, il est fort probable que la caisse de résonance était creusée dans une pièce de bois et recouverte d'une peau. Aucun décor n'apparaît. Peut-être était-elle sculptée, laquée, voire ornementée de feuilles d'or comme le sont les harpes birmanes traditionnelles.
caisse de résonance et le manche, nous avons choisi, avec le luthier, des essences de bois utilisées dans la lutherie traditionnelle du Cambodge. Des bois à la fois faciles à usiner et reconnus pour leurs qualités acoustiques. Les tables d'harmonie des harpes carènes actuelles sont en métal. Mais les carènes les plus âgées témoignent qu'elles étaient autrefois réalisées avec de la peau de cervidés sauvages, un cuir à la fois fin et résistant. Quant aux harpes birmanes, les luthiers utilisent de la peau de chèvre. Les bas-reliefs du Bayonne attestent de l'existence de ces deux animaux à l'époque angkorienne au Cambodge. Les tables d'harmonie des harpes Khmer étaient probablement réalisées en cuir. Si les chèvres peuvent en fournir, les serpents de grande taille offrent aussi une peau d'une grande résistance aux motifs agréables. Des tests ont été effectués avec divers types de peaux, serpents, chèvres, vachettes. La peau de serpent s'avère à la fois fine, robuste, suffisamment large et répandue dans la fabrication des instruments traditionnels khmer, comme les vielles et les tambours. Pour la harpe pré-angkorienne, j'ai pris le parti de ficeler la peau, comme c'est encore aujourd'hui le cas sur les deux types de harpes subsistant en Inde. Pour la harpe angkorienne, j'ai opté pour un cloutage de la peau, à l'image de l'instrument birman. Le manche des harpes angkoriennes est légèrement arqué. En revanche, leur section demeure indéfinie. Elle était peut-être ronde, elliptique ou plus complexe, comme cet instrument du temple de Bandhechmar. L'extrémité du manche des harpes présente des différences stylistiques selon les époques et les contextes. Certaines se terminent par un plan coupé plus ou moins arrondi, d'autres par une tête de Garuda. Un texte chinois de l'époque Tang mentionne une harpe se terminant par une tête de phénix. L'oiseau fait également partie de la symbolique des carènes. Concernant la harpe pré-angkorienne, c'est dans la sculpture Cham du Vietnam que j'ai trouvé la pièce manquante à mon puzzle. Les Cham de cette époque étaient, comme les Khmer, un peuple hindouisé. Ils jouaient des instruments musicaux similaires. Leur harpe était semblable à celle des Khmer avec l'extrémité du manche en forme de crosse. Un détail qui trouve peut-être son origine en Inde puisqu'on le rencontre au 5e siècle, à l'époque Gupta. C'est l'option que j'ai retenue pour la harpe pré-angkorienne. On peut se demander quel était le dispositif d'accordage des harpes. Un détail sculptural de la terrasse des éléphants nous apporte une connaissance précise sur ce point. Le haut-relief est endommagé, mais la sculpture résiduelle permet de distinguer clairement la partie terminale d'une cheville autour de laquelle s'enroule la corde. Même le sens de l'enroulement nous est connu. Le dispositif permettant de tourner la cheville se trouve du côté gauche, afin de permettre l'accordage sans interrompre le jeu, car c'est la main droite qui conduit la mélodie. D'autres bas-reliefs montrent les chevilles d'accordage, mais avec moins de précision.
Comme on peut le voir sur cette sculpture, des harpes anciennes de l'Inde s'accordaient à l'aide de colliers mobiles, comme c'est encore le cas pour la harpe birmane contemporaine. C'est l'option que j'ai retenue pour la harpe pré-angkorienne. Lorsqu'elles sont représentées, les cordes sont toujours parallèles, à l'image de la harpe birmane, mais contrairement à celle des Karen, où elles sont disposées en éventail. On peut toutefois avoir un doute quant à la réalité de ces représentations. En effet, l'accordage par clé, contrairement au système birman, contraint à espacer les cordes. Sur la harpe birmane, l'espace entre les cordes est de 11 mm. Cette technologie permet un jeu plus aisé. Or, plus les cordes sont espacées, plus les traits de jeu virtuoses deviennent difficiles à réaliser. Pour être tournées directement à la main, les clés à poignée nécessitent un large espace. Deux solutions s'imposent alors. La première est d'accepter des cordes parallèles, largement espacées, ou disposer les cordes en éventail. La seconde est d'opter pour un dispositif d'accordage avec une clé en réduisant la taille des chevilles et leur espacement. De combien de cordes disposer les harpes ? Bien qu'elles soient souvent figurées, il est délicat de tirer une quelconque conclusion quant à leur nombre. Dans certains cas, on peut considérer que l'artiste les a représentées en grand nombre sans référence à la réalité. Dans d'autres cas, leur nombre réduit et le soin apporté à leur réalisation semble offrir plus de précision. Quelle était la nature des cordes ? Aucune source ne l'indique. Si l'on se réfère au modèle birman traditionnel, il est fort probable qu'elles fussent en soie. Rappelons que les Khmers connaissaient la soie blanche d'importation chinoise et probablement aussi la soie jaune qu'ils produisaient en collaboration avec les Siamois. L'usage de la soie permet d'adapter le diamètre de chaque corde. On ne peut toutefois exclure l'usage possible du boyau ou de fibres végétales. Le choix a été arrêté sur les cordes de soie. Les vers à soie produisent des fils d'une extrême finesse, mais aussi d'une très grande robustesse, permettant d'adapter le diamètre de chaque corde. Restait à déterminer la dimension des instruments. En ce qui concerne la harpe angkorienne, une étude des dimensions à la fois de la harpe birmane et de l'échelle donnée par certains bas-reliefs de belle facture m'ont permis de réaliser un plan à l'échelle 1. Ce plan a été soumis à un luthier khmer, fabricant habituellement des xylophones et des carillons de gong. Un savoir-faire certes éloigné de la facture des harpes, mais le bon sens et la volonté ont permis de dépasser bien des difficultés. Quelle position les musiciens adoptaient-ils pour jouer leur instrument ? Il y a plusieurs réponses à cette question. La sculpture pré-angkorienne nous montre à la fois des musiciens jouant assis et portant leur harpe, et d'autres jouant debout, avec l'instrument en bandoulière. Les harpes angkoriennes à manche simple sont majoritairement jouées en position assise, soit placées sur les cuisses à l'image de la technique birmane, soit posées sur le sol, parfois stabilisées par des pieds.
Dans un seul exemple, les harpistes jouent debout, dans une procession. Les harpes à tête de Garuda sont posées sur le sol, attestant peut-être que le poids de la tête modifiait le centre de gravité et donc ne permettait pas de jouer dans la même position qu'avec les instruments à manche simple. En archéologie musicale se pose bien évidemment la question de l'accordage des instruments. Deux options se présentaient. Les accorder sur 5 notes, comme les harpes birmanes et carènes, ou bien sur 7 notes, comme les instruments khmer à notes fixes que sont les xylophones et les carillons de gong. Les Birmans accordent leur instrument sur 5 notes, mais jouent sur 7 notes en modifiant la hauteur de certaines d'entre elles par pression de l'ongle du pouce sur un point précis de la corde. Leur répertoire musical est basé sur divers modes qui nécessitent un ajustement de l'accord selon les pièces interprétées. Or, ce n'est pas le cas chez les Khmer qui jouent sur une échelle de 7 notes équidistantes. Aussi, une solution d'accordage sur ces 7 notes équidistantes a-t-elle été adoptée provisoirement en attendant des recherches plus approfondies. La technique de jeu des Khmer anciens demeure inconnue. C'est pourquoi il a fallu confronter les représentations des bas-reliefs aux pratiques des Birmans. On constate une utilisation préférentielle de l'index de la main droite et une position de main allongée. Sur cette représentation, on constate également que le majeur est utilisé pour donner plus de pression à l'index, une technique parfaitement visible dans cette interprétation. Deux types de harpes sont désormais à notre disposition pour tenter de reconstituer les orchestres, une harpe pré-ankorienne et une harpe ankorienne. Il nous faut bien entendu distinguer les orchestres de ces deux périodes. Entre le 7e et le 9e siècle, l'iconographie est pauvre, mais plusieurs textes en khmer ancien évoquent les instruments utilisés dans les temples. Ces textes semblent corroborer le bas-relief de Sambor Prekouk. On distingue, hormis la harpe, une sitar monocorde, toujours existante au Cambodge, une paire de petites cymbales, un tambour, un danseur, au centre, représentant le dieu hindou Shiva, et peut-être deux chanteurs ou deux danseurs aux extrémités. Plusieurs textes pré-ankoriens mentionnent des joueuses de harpe, de percussion, de cymbales, de sitar et de luth. J'ai donc pris le parti, dans une option minimaliste, de fonder un premier ensemble instrumental et vocal sur la base de ces informations. Contrairement à la période pré-ankorienne, la période ankorienne ne nous livre aucun texte sur la constitution des orchestres. En revanche, l'iconographie est dense, car elle s'exprime sur des surfaces murales plus amples que celles des linteaux. Les duplications instrumentales sont parfaitement représentées par divers procédés. La harpe est toujours accompagnée d'une paire de petites cymbales, comme c'est aujourd'hui encore le cas au Myanmar. Le plus souvent, on peut voir une ou deux sitars à double résonateur. Aucun tambourinaire n'est jamais représenté aux côtés des harpes. On pourrait peut-être attribuer cette fonction à quelques personnages au rôle indéfini représentés à l'arrière-plan.
premier ensemble, basé sur ce bas-relief représentant une scène de cirque au temple du Bayonne, a été créé. Pour boucler la boucle de cette reconstitution, il nous fallait un répertoire. Mais les Khmers anciens n'avaient pas de système de notation musicale. Et quand bien même en aurait-il eu un, le climat de mousson aurait tout détruit. Demeure la mémoire des hommes. Certaines mélodies sont réputées anciennes. Mais que signifie ancien dans un pays de tradition orale? Et qu'en était-il des styles de jeu, des arrangements? Il faut avouer notre impuissance devant un tel vide. Il nous reste donc à puiser dans le répertoire traditionnel existant et à l'adapter aux instruments anciens. C'est bien évidemment posé la question de la formation des harpistes. Au Cambodge, personne ne joue plus cet instrument depuis des siècles. C'est pourquoi je suis parti au Myanmar, à la rencontre de musiciens auprès desquels j'ai pu m'initier à la technique de base. J'ai alors réuni quelques musiciennes et musiciens désireux d'apprendre. Comme je ne suis pas musicien khmer, je me suis contenté d'apporter les instruments et des rudiments de technique. Charge au maître de musique d'enseigner un répertoire décidé avec le ministère de la Culture et des Beaux-Arts. Parmi ces jeunes musiciens, l'un d'entre eux venait de l'orphelinat d'État de Phnom Penh. Il s'appelle Sopeak. Il avait 16 ans à cette époque et sortait pour la première fois de son institut. Malgré son effroi d'affronter le monde extérieur, l'envie de jouer la harpe a été la plus forte. Il s'est rapidement révélé un musicien exceptionnel. À l'orphelinat, il pratiquait déjà divers instruments traditionnels. Nous avons organisé au pied levé un mini-concert où il a rejoué pour la première fois depuis plus d'un millénaire la harpe pré-angkorienne. Ce fut un incroyable moment. Quelques jours plus tard, il était invité à se produire devant un parterre de donateurs américains, accompagné par l'un des meilleurs musiciens du Cambodge, Sinat Nyok. Rapidement repéré dans le pays, il est parti provisoirement à Siem Reap pour négocier un contrat dans un grand hôtel. ខ្ញុំចាប់ពីអាយុ 5 ឆ្នាំខ្ញុំចេះលេងភ្លេងខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់តន្ត្រីហើយខ្ញុំបានរៀនពីគ្រូខ្មែរផ្សេងៗដូចគ្រូសុកឬមាសសម្បូរ
cái đó bà nhầm riêng cái ai về cái đó nhầm nè trai chơi cái ai quất nè bông riêng nhầm vì muốn muốn mà hay bán nhầm mà riêng phấn bà riêng mới phát triển sự vấn là về trong sập chơi sập lên sập ấy nó quất ở pha cả đá đi dây tới ai cà phê bốn tiền bốn ấy nhầm chơi chết snap lên snap ấy nơi cái này bốn tiền bốn ấy nhầm snap bắt chủ riêng sen sen bắt khmai bắt ấy vi đam sen sen hay snap tam âm sri nhầm trong runner xin việc lựa chọn chơi chết là tin đi tìm riệp ní nhung ban từ lên phơi nơi mansara patrick ngon nhung từ tino nhung bật chế tre o sờ ba chết tino vậy nhung chơi chết ok stop bật lên không ai đặt nhung ban lên chun kê tầng o đi nhung chơi chết lên phấn phấn ta nhung trong ban kia khi bay nhẹ tiết làm bay lên chỉ mỗi khi nhom đai rồi rút nhom lên tại ai nhom vỡ vạ nhom trong nơi xin riêng rút trong miền càng nhiệt phứ vì vậy chất khá đại hồ nơi tí nốt vì mình vật viện chất đoàn đại nhưng thật sự của vật viện chất đoàn lúc thế là lời khi bạn bác sĩ hiểu của nhưng sẽ bái chất nhưng trong rộ án vật viện chất đoàn nơi đi thế này là cốt bọc nhưng trong thua chỉ cử ở đường trái lên về nè mùi rút đại đại kê cử rút từ xa hay khi nhưng phải hiện nhưng nó còn riêng khi xem xem ở khi rồi đăng ký ô bạc cọp lên mà đại Patrick nhận ra chiều người sát ông cô xem xem vậy khi nhung trong phòng riêng về nhung trong riêng giải điêu bản tham tiện là vậy ai chạy nó luôn chỉ là nhung trong cô cùng lũ cùng nấu tham tiện làm bay lụa ở nhiều tết sẽ cho lại nơi tin đi depuis cette interview Sopeac vit à Siem Reap chez un maître de musique et se produit de plus en plus souvent en public avec la troupe Sounds of Encore. La troupe Sounds of Encore n'a pas tardé à faire parler d'elle au plus haut niveau de l'État cambodgien. Elle a notamment été invitée lors du 37e comité international UNESCO à Phnom Penh, devant un prestigieux parterre d'invités du monde entier. La soirée était présidée par le vice-premier ministre Sokhan en présence de la directrice internationale de l'UNESCO, Irina Bokova.
Patrick Kersalé a déjà reconstitué quelques harpes anciennes, mais il a également reconstruit d'autres instruments apparaissant à leur côté en suivant la même démarche. Les instruments à usage militaire, eux aussi, sont nombreux sur les bas-reliefs des temples. Trompes, conques, tambours, cymbales, tous ont été exposés au Cambodge et joués en diverses occasions. Cette œuvre se poursuit au quotidien. Elle a pour vocation de combler les larges brèches ouvertes dans le long fleuve de l'histoire, celle de la chute d'Angkor au XVe siècle, et plus récemment, celle de la guerre des Khmers rouges. Puisse le peuple cambodgien se réapproprier cette histoire pour aller de l'avant, car comme l'évoque la maxime, il faut savoir d'où l'on vient pour comprendre où l'on va.